regardez le petit village perdu dans les montagnes. Qui vit là? Sérieusement, qui vit là? So another example of how we meet people on the Camino. You're from? Me? No, yes. Japan. Japan. Oh. And you? Australia. Australia? 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 And you? Canada. Canada. No, yo estoy en Argentina. ¿Y tú de dónde eres? Yo de aquí, de España. Alors on a le menu du pèlerin, on est à El Acebo, il nous a amené la grosse coupe de vin rouge, et voilà, ça c'est la première étape. Alors voici ce qu'on mange, on a un petit sauté de légumes, champignons avec du riz, et il y a même du houmous avec un petit peu de paprika et du pain. Donc là, on s'en va dans une grosse ville, Ponferrada, ça s'appelle. Puis là, ben, on est dimanche, fait que tout va être fermé. On n'a aucune bouffe, on comptait là-dessus, arriver à Grosseville puis refaire le plein. Ouais. Mais dimanche, en Espagne, là, rappelez-vous de ça. Là. Vous pensez, oh, il doit y avoir une épicerie ouverte. Non. Toutes les épiceries, tout est fait, toutes les places, tout est fermé. Alors, vous ne comprenez pas à quel point c'est sérieux ce qu'on vous dit, tout est fermé. Là. Donc, je pense qu'on va être en jeûne jusqu'à demain. Jeûne. Ben, on a deux bananes. On a une descente super à pic ce matin, là. Genre 700 mètres à descendre. Un autre petit village dans les montagnes. Las montañas. Alors, on vient d'arriver dans un village, je me souviens même plus du nom, mais je sais que ça finit par quelque chose comme Ambar. Puis vraiment là, encore une fois, un village typique espagnol en plein milieu des montagnes. Alors là, on a vu un énorme champ de murs. Puis le gars avait commencé à chanter. Une chanson country que j'appellerais le murmure de murmure. Le murmure, le murmure du murmure. Le murmure du murmure. 3, 4. Le murmure du murmure du murmure. Le murmure du murmure du murmure. Le murmure du murmure du murmure du murmure. Harmonistère. Là, il y a du monde qui passe à côté de nous pendant qu'on mange, là. Ils sont comme Buel Camino. Gab, il est tellement fier de leur répondre qu'il est juste comme brrrrrrrrr. Brrbouille, brrbou. Des fois, je suis comme. Ah, je vais. On arrive à Ponferrada dans environ 25 minutes, quelque chose de même. Fait qu'on vient de trouver Japon Market 24 heures. Tu sais, comme on vous a expliqué, dimanche, tout est fermé. Donc, c'est comme plein de petits produits là, de Taïwan puis de Japon. Donc moi, je vais prendre des mochi à la fraise! Yay! Wouhou! Wouhou! Hihi! Yeah! Oh! Oh! Les mochi! Et là, il reste 111, quoi. Ouais, 111 km. Je suis malade. T'es bien beau. Allô, toi. T'es charmant. Alors, depuis qu'on est proche des 100 derniers kilomètres, il y a juste tellement de monde. Blé d'Inde, ça pousse d'un champ. On passe devant beaucoup de champs de blé d'Inde depuis plusieurs jours. Et vraiment, ils sont énormes, là. Puis, moi puis Gab, on constate, ils n'ont pas de blé d'Inde dans leur bouffe, les Espagnols. Donc, tout ça,
c'est pour nourrir. Quoi? Qu'est-ce que vous pensez? Les cochons. Les cochons. Je sais pas si les vaches mangent ça, mais les cochons. Les vaches mangent tout. Parce que les Espagnols, ils aiment leur jamón, hein? Le jamón ibérico, là. Alors, je me dis, tout cet espace-là, toute l'eau que ça prend pour faire pousser ces plantes-là, pour ensuite nourrir les cochons, pour ensuite tuer les cochons, manger les cochons. Tu sais, je veux dire, tu pourrais juste faire pousser des légumes que les humains vont manger à place. C'est meilleur pour la planète. Il n'y a pas de cruauté. Puis. Tu laisses les cochons en face. Ouais, exact. C'est du cochon. C'est meilleur pour la santé aussi. C'est ça. Ça finit jamais, les amis, ça finit juste pas. L'autoroute de pèlerin. On a commencé à faire la paix avec le fait qu'on va jamais être tout seul sur le chemin. Hey, moins de 100 km, les amis. Attends, vous l'avez-tu vu? Là, là. Ça dit 99,5. Ça, c'est mon genre de journée. Fait pas vraiment chaud, fait pas fret. Il vente, mais pas trop. Fait pas vraiment soleil, fait pas vraiment gris. On est dans le bois, ça sent la mousse, ça sent le cèdre. Oh. Une journée parfaite. Parfait. Parfait. Parfait comme journée. Parfait. Allô? Wow! Porto Marín. Hey Gab, on est où là? Porto Marín. Wow. Non à la peregrinación. 100 kilómetros es para los débiles. Bon alors, ça fait une couple de jours qu'on filme pas. Honnêtement, j'étais juste plus vraiment dedans pour être honnête, un petit peu fatiguée. Bon, donc, ce que j'essayais de dire tantôt, les 100 derniers kilomètres de Saint-Jean-de-Compostelle, Saint-Jacques de... les 100 derniers kilomètres du chemin, Gab m'a averti. T'sais, je pensais pas que c'était si pire que ça. Mais tu sais, il y a un concept qui s'appelle les turigrinos, touristes, pèlerins. Et c'est correct, chacun son chemin, chacun son expérience, chacun son aventure. Vraiment, j'ai pas de jugement négatif par rapport à eux. C'est juste que ça affecte notre expérience. C'est des gens qui arrivent avec des grosses valises, qui se font livrer à chaque jour leurs valises à la prochaine auberge. Ils réservent tout à l'avance. Ils prennent les meilleures auberges qui sont dans notre budget. Puis tu sais, ils ont bien sûr les moyens de payer beaucoup plus cher. Ce qui fait en sorte que nous, après ça, on est pris dans des auberges municipales vraiment, vraiment désagréables. C'est rare d'en trouver des bonnes. Donc voilà, ça c'est l'expérience qu'on a en ce moment. C'est pour ça qu'on a arrêté de filmer pendant une couple de jours. J'étais juste plus vraiment... Il n'y avait plus l'esprit du chemin là, que je ressentais avant. Moi puis Gab, tu sais, je sais pas là, on... En tout cas, on a hâte d'arriver à Santiago. Il y aura beaucoup de monde. Ouais, là, c'est noir le monde. Là, je radote, là, donc je vais pas être trop négative non plus. C'est beau, c'est un beau chemin, là. Il y a des, des beaux arbres, il y a juste 3000 personnes. On monte sur le chemin. Je vois 10 000 personnes qui marchent au loin. Je m'ennuie de mon petit chien qui est à maison. Je gratterai à Beden. C'est toutes des bières, ça. C'est toutes des bières. Que chulo. Que chulo, ¿verdad? Que ingenio tiene la gente, tú. Bonito. Es curioso. Gab, on a trouvé un pommier, là. Il est en train de cueillir des pommes. Tu trouves quelque chose de bon? Ouh. Puis la pomme. Elle est bonne, la pomme. Comme au Québec? Presque, mais très bonne. On trouve que ça ressemble un petit peu à chez nous. Donc là, on vient d'arriver à... comment ça s'appelle déjà le village? On vient d'arriver à Abrea. Abrea. Un village en plein milieu de l'Espagne. De la Galicie. Et puis, on est dans une place, là, une auberge. Puis, je reviens pas. On s'est offert le luxe, cette fois-ci, d'avoir une chambre privée avec salle de bain privée. Oui, avec une douche privée. Et on est entré ici, puis on capote. Là, depuis, on est comme, oh mon Dieu. Parce que l'affaire aussi, c'est qu'il n'y a pas de drap. Les gens ont leur sac à couchage, donc dans les auberges, très 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 souvent, 80% du temps, il n'y a pas de couverture, des vraies couvertures. Puis en plus, ils n'ont jamais vraiment du savon à main, mais là, il y en a du savon à main. Hey, checker ça, on a même une TV, wow! Ah, il y a une télé?
By the way, on va pas checker la télé pantoute. Non.